Hey, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Honkai Impact. Comme d'habitude, avant de commencer, le petit pouce bleu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je stream le lundi, le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Le lundi, on fait du Grandid en multi. On va le refinir avec cette fois tenter de finir le 100%. Le mardi, début de soirée, Honkai Impact. Le farming habituel, le royaume Élyséen, les événements, si ces derniers sont intéressants. Hein, parce que là, dernièrement, les événements, ils étaient pas ouf. C'est pas ouf. Et en deuxième partie de soirée, en attendant que le launcher officiel de PGR, alias Punishing Greyraven, sorte. On va faire un autre jeu, là en ce moment je suis sur Man Eater. Et du coup le jeudi c'est du Man Eater aussi. Petit jeu de requin sympathique, hein. Moi je m'éclate bien dessus. Il y a juste les mouvements qui sont un petit peu spécial, un petit peu spéciaux, pardon. Et sinon ça va, c'est rigolo. C'est assez marrant. Allez, bon. On va y aller. Alors j'espère que vous avez eu le temps de vous servir des codes que j'ai indiqués, hein. Surtout le tout de futur. Parce qu'il était bon qu'un jour. En général, les codes comme ça, dans des lives ou quoi, ils ne sont bons que un jour, voire 12 heures. Merci MiYoYo, comme ça, les personnes qui sont n'ont pas le temps ou autre, ben, ils sont dans l'os, ils l'ont dans l'os. Bon. Gel, ça va. Malheureusement, c'est du gel et je ne vais pas pouvoir sortir HOH, tout simplement parce que c'est du bio. On va taper un contre-type. Hein. On va bien ce que ça donne d'ailleurs lors de la dernière suture avec la Shizeo. J'ai perdu des points, j'ai perdu 100 points. J'ai encore la marge, je suis jusqu'à 1500. Mais bon, on va quand même tenter de jouer normalement. Donc, 50% de dégâts de glace en plus, 50% de dégâts de feu en moins. J'en connais un qui va pleurer. Alors là, c'est du contre, du psy, du mecha. Bon, on va y aller avec du psy direct. Hein. On va sortir HOH, on va pas s'embêter. Hein. Ici, ça c'est toujours le même. Elle, il faut faire attention, ne pas burster de suite. Elle est en mode Migaté no Goku, hein. Elle esquive tout. Donc, ce qu'il faut faire pour ce mob, vous attaquez une fois, faites une attaque auto, elle va esquiver, vous ne bougez plus. Elle va faire une attaque. Vous esquivez à ce moment-là. Si vous avez la Air Charge de la Raison, ça sera parfait. Elle va faire l'esquive parfaite avec ses canons qui vont tout simplement ruiner son shield. Et pendant que le shield se recharge, elle est endoyeuse et stun. Et du coup, vous pouvez la burster comme il faut. Hein. Vous lui montrez tout votre amour. Hein, et espèce de saleté. Tu m'as esquivé toutes mes attaques. Tu vois ce que je vais te mettre. Et ici, on a la Herrscher du Néant. Alors j'espère que c'est pas une version trop embêtante. Parce qu'on la paye trop souvent, elle en boss. Bon allez, on verra bien ce que ça donne. On va y aller avec elle. Alors je vais juste vérifier si bon, j'ai son stuff, j'ai son arme. On a tout à fond. Allez. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, hein, j'espère que vous êtes prêts. Parce que n'oubliez pas que jeudi ou vendredi, les deux dernières Herrscher qui vont sortir. J'espère que vous avez packé assez de cristaux. Moi, ça va être stuff HOH. Et la deuxième, elle aura les miettes. Voilà. Si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, voilà. Je pense pas que je vais aller la chercher plus que ça. Là. YoYo fait trop de choses décevantes pour mériter mon argent. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, bien sûr, je ferai des tests. D'ailleurs, avant de pull sur un personnage, n'hésitez clairement pas à faire le niveau test. Ça vous donnera une idée du gameplay. Si le gameplay vous plaît, n'hésitez pas à pull. Hein.
Donc pour le moment, moi, c'est à l'aura les miettes. Et si après test, bah en fait, je m'aperçois qu'elle est oufissime, mais pour le moment, moi, c'est... je coule avec ce que j'ai et je pense pas que je mettrai plus. Allez. D'ailleurs, la petite erreur de ma part, ben, je n'ai pas claqué l'ultime de chat boutière. Mais c'est pas grave, on va le faire là. On a le temps. Hop. On va claquer de l'ultime. Alors là, malheureusement, je suis toujours pas sa nouvelle arme. J'ai pas voulu couler dessus parce que justement, je savais qu'il y avait le nouveau trio qui allait arriver. Donc, alors là, il va falloir esquiver. Simplement, hop, on esquive, hop, voilà. Alors là, comme d'habitude, hein, malheureusement, quand les mobs sont trop longs à pop, on pod de sort la pile, arrête de taper, et du coup, pour la replacer sur le terrain, refaire son attaque chargée pour pouvoir faire que les potes soient de nouveau actifs. Allez, hop. Allez, hop. Un petit peu en retard sur les bonnes compétences. Hein. Ouais. Ah, désolé, j'ai toujours mal à la gorge. Alors, quand je repasse venir le docteur, parce qu'il m'a donné un traitement. Malheureusement, le traitement. Enfin, le produit en lui-même, je pense que ça fait l'affaire. Et le truc, c'est qu'il était défectué. Et que la pharmacie n'a pas voulu me le changer. Malheureusement. Bon, alors, premier niveau, donc aucune, strictement aucune difficulté. Hein. Pas de difficulté, clairement, c'est... Il n'y a pas d'autre mot. Bon, ici, nickel, on a déjà la team. Hein. Attendez, on propose une team physique, mais bien sûr, voilà, la team physique, elle est là. HOH, pour moi, reste à l'heure actuelle... le personnage ultime en termes que ce soit en termes d'animation de puissance de feu etc. j'ai pas trouvé mieux. Et malheureusement c'est pas les trois prochains personnages qui me feront dire le contraire. En termes d'animation c'est sympa tiers, voilà, c'est sympa tiers, mais ils sont... Pour ma part, bien sûr. Quand je parle, c'est toujours mon avis. Donc ne prenez pas ça pour la vérité absolue. D'ailleurs, je ne l'ai jamais prétendu. Hein. Pas le meilleur des joueurs. Et d'ailleurs, au passage, ça vous permet de voir que même en faisant des fails, on arrive à jouer, on arrive à finir les niveaux. Bien sûr, dans la souffrance, hein, vous avez bien vu comment j'ai galéré avec avec Griseo. Hein. Après, bien sûr, ma Griseo n'est pas stuff. Mais bon, ça après, c'est une autre histoire. On verra si son stuff arrive dans un battle pass. Il n'y a rien d'autre d'intéressant pour moi. Et c'est pas ma priorité. Pareil, si Fang,
Non, merci. Bon, techniquement, lors du... Mince, là j'ai failli tromper. Lors du prochain Battle Pass, on devrait avoir son stuff et son arme. Ou si on a que son arme, je continuerai à attaquer. Hein. Donc, voilà. Je suis pas PC. Là en ce moment dans le Battle Pass, il n'y a rien de folichon. Il n'y a rien de folichon, donc pour ceux qui, comme moi, prennent le pass paladin, à part paquet, il n'y a pas grand chose à avoir. À part, oui, il y a une, y a une arme à débloquer pour une clé divine. Il y a une clé divine, si vous ne l'avez pas, et que vous n'avez rien dans l'onglet des clés divines, n'hésitez pas. Au moins prendre celle-là. Ce qu'ils savent pas, c'est quoi les clés divines, c'est les... Ça sert aux petits bonus. Les petits bonus que j'active à chaque début de combat. Ce sont des clés divines. Et du coup, ça sert à ça. Et j'ai raté mon clé divine. Ouais. Hop. Je pense que je suis un petit peu lent. Alors, on va attaquer une team. Alors là, bien sûr, vous pouvez venir avec la team recommandée. Hein. D'ailleurs, je pense que même moi, je la recommande. Tout simplement parce que... C'est un paquet mob. Et paquet mob, c'est très bien. Les mobs, c'est l'avenir, hein, vous savez très bien. À chaque fois, les mobs, ils se barrent dans tous les sens. Et ça, c'est clairement pas pratique. Allez, donc c'est parti, on continue le même refrain, comme on dit, c'est la même chanson, bah, c'est pareil. Alors ici, en général, l'étage 4, c'est toujours un étage pour avoir des points de compétence. Ah, il est là. Voilà, il est là le cochonou. Allez, hop. On est ultime et normalement on va y rouler. La maîtresse de l'univers, chercheur de l'humanité, là. Voilà, allez, hop. Ah, mais c'est qu'il reste encore, il reste sur le côté. Vous savez pourquoi je lui dis qu'il faut pas qu'il. J'ai tout bursté sur le mob de droite, et j'en ai encore autant à gauche. Alors, ils se sont pris des dégâts, certes. Mais pas ce qu'ils auraient dû. Ouais, hop. Allez, bim, on lève le sceptre et on roule sur. Voilà. Et d'ailleurs, ce soir, on reprend grand vide. Hein. On va essayer de finir les super mixer. Enfin, les super mixer sont très très durs. On a fait des défenses de psychopathe. Ça devrait être bon. Je dis bien devrait être bon. Donc n'hésitez pas à venir me voir galérer, hein, parce que c'est assez carré net, on galère à fond. Tout ça pour débloquer la dernière arme du jeu. Alors ici. Ah oui, voilà. Alors. Là, ramener Axor Lapine, c'est un peu un piège. C'est un petit peu un piège. D'ailleurs, je vais tenter avec Choukoutre. Voilà. On va tenter avec ce truc là. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, le mob de fin, il va
qui va faire des esquives. Mais il va esquiver H24. Du coup, c'est... toutes les pods... ils vont attaquer tout le temps. Le mob, il va être qu'en esquive et il ne vous attaquera jamais. Simplement. Donc là, je préfère ne pas la prendre. Après, bien sûr, c'est... ça a pas tout, ça peut pas assez, je l'ai déjà fait avec. Hein. Hop. Mais après, c'est vrai que c'est embêtant de voir le mob esquiver H24. Alors que nous, on veut juste qu'il prenne les. Esquiver son attaque pour pouvoir le défoncer. Allez, hop. On ultime. Alors, bien sûr, je vais clairement pas m'en servir de tout le temps. Hein. Je vais. Comme d'habitude, quand ça brille, on a plus. Malheureusement. Hop. Donc malheureusement, je pourrais pas vous expliquer comment elle marche. On n'est pas du tout le personnage. Bien sûr, il faudra que j'apprenne à m'en servir par la suite. Mais bon, ça me... Je vais être honnête, ça me fait chier. Ça me fait chier de devoir... excusez-moi mes mots. Mais... je me suis cassé de derrière à stuff action lapine pour qu'il nous sorte un nouveau support 15 jours après. 15 jours après que j'ai fini de stuffer le personnage, on nous sort un nouveau support. Du coup, ça m'énerve un peu au point. Et en plus, pour être honnête, le personnage en lui-même. Bah, il me fait penser à Cerise Molotov. Il me fait penser à la cadette des Cœurs Molotov, à la... un petit peu simple. Je peux pas, non, je peux pas dire simple, c'est méchant. Comment on pourrait l'appeler? La joyeuse des deux. Ouais, on a d'un côté, on a professeur. Professeur de... Oh non, on a la chumpette... la chumpette qui dort. Et à côté, on a la chumpette farceuse. Voilà. D'un côté, on a le. On a le. Elle qui dort tout le temps. Et de l'autre côté, on a cette fille de... à fond. Allez. J'ai appuyé sur le QTE, ça n'a pas passé, comme d'habitude. Il y a certains QTE. Malheureusement. Ils sont ah bah oui, bah là j'ai... Ah oui, bravo Romain. J'ai lâché toute la sauce sur les esquives. Ah, vous voyez, à force de parler, ça fait des conneries. Donc là on va attendre. Et hop. On va essayer de la congeler ou de la laisser congeler. Ouais. Je peux pas claquer lui, type bon. C'est pour ça que j'aime pas jouer avec des personnages que je kiffe pas. Je fais n'importe quoi avec.
C'est n'importe quoi et puis ça m'énerve. Allez. Là, sur ce personnage, voilà, il y a que son ulti qui fait couper. Il y a que son ulti qui fait couper. Le reste du personnage, c'est bien. Hautement posé. Ouais, on va l'achever. Ça a été plus long que prévu parce que bah voilà, malheureusement le personnage je m'en sers jamais. Là, pour, bon, sûr, pour ceux qui s'en servent, c'est tout un béni hein, pour nous. Hein. Moi c'est pas tout un béni. Non, je vais rater. Bon, non. Non. Vous voyez ce que ça donne quand on joue des personnages dans les couilles. Quand on joue des personnages qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Parce que c'est... Voilà ce que ça donne. Ça fait de la merde. Donc, eh ben, c'est pas grave. On va ressortir Axor. Je vais me démerder avec. Ça m'énerve. Ça m'énerve de perdre du temps. Là, j'ai perdu 5 minutes pour rien. 5 minutes perdues dans le temps. C'est ça qui m'énerve. Se servir à des personnages aux F tiers, en fait de la dope. Et c'est ça le pire. Allez. Donc, le truc qui est dommage, c'est qu'on voit pas les. Il n'y a pas un récapitulatif des dégâts. Moi, j'aurais bien aimé. Voir un petit peu les dégâts que Axor fait comparé à Fouchon. Allez. Hop. Bon, après, certainement qu'avec ce trait, je vais faire beaucoup mieux. Hein. Je joue pas avec des personnages que je connais. Après, c'est con, mais un seul changement de personnage que vous connaissez pas, ça peut. Ça peut vous freiner le fou votre fan. C'est ça le problème. Voilà, alors étage 4, ah oui, c'est cuit. Bon là du coup. Ça va plus vite. Alors là, on va faire l'esquive. Non, j'ai foiré l'esquive. Ah. Voilà, c'est bon. Là, on peut lâcher la soif. Vous voyez pourquoi je bouge. Pourquoi c'est un petit peu embêtant de prendre Axor. Parce que ça donne ça des pods, ils m'ont fait perdre un peu de temps. Par contre. Vous voyez la différence. Hein, comme quoi. La team recommandée.
c'est pas toujours le meilleur. Voilà. Easy en partant avec un avec le handicap d'Axor Lapine et ses pods pour le dernier mob. Voilà, les deux doigts d'angle. 100 cristaux de plus pour jeudi ou vendredi. Allez, donc ici. Bah, bon, je vais reprendre cette team. Hein. Je vais pas m'emmerder. Prenez les teams, pas spécialement qui sont recommandées, mais les teams avec qui vous avez l'habitude. Et ça passera très bien. Allez, hop, on va lui péter son shield. Oh, ouais, merci. Merci. Ah, merci, on a eu son esquive. Hop. Hop. Alors, malheureusement, la deuxième fois, je sais pas du tout que le fait. Et clairement, je sais pas du tout ce que le fait en deuxième plan. Étant donné qu'on l'a quasiment pas, ça doit être une ouverture minée en V2, on va dire. Non, mais encore esquiver. On va claquer l'ultime. Essayez de faire vite. Merde, un P2. La lance de Dan, briser le bouclier à peine tout, merde. Non, j'ai pas pété le bouclier. Ah si, j'ai pété. On ira après ce que ça donne, parce que là j'y vais vraiment à la sagouin. Si vous restez dans, j'ai pas eu le temps de dire. Si vous restez dans une zone corrosive, vous perdez des PV. Bon, on refera en hors ligne. Je vais juste dire. Il y a une technique pour briser le bouclier plus vite. Si on nous explique. Et on va continuer. On continuera après. Alors, commencer. La recherche du T1 utilise le pouvoir du joyau de sérénité. Réduit. Ok. Bon, alors déjà avec une type foudre, vous oubliez. une lance spatiale qui tire successivement deux fois sur la cible, esquiver à temps. Esquiver. 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 Ah voilà. La recherche du néant invoque un bouclier pour se protéger. Et projette une lance de désintégration cristallisée. La lance de désintégration fend les airs et se propage sous forme de petites explosions. Je vais briser le bouclier pour interrompre les attaques. D'accord, ça dit pas plus.
Mais bon, on verra bien. Je vais continuer à tester. Ça, il n'a pas l'air compliqué. Il faut juste péter le bouclier vite. Donc là, malheureusement, je me suis mal pris en timing. Donc on verra bien. Alors bon, mais ça va. 49 000 cristaux. En plus, on a les. On ne peut pas qu'on a les bonus de connexion. On pourra faire une multi. Voilà. C'est peu, mais c'est déjà bien. Bon, allez, sur ce, j'espère que la vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à ce soir pour le live Grandide. Allez, ciao!